Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de morte fontaine, où vont à morte saison tous les chasseurs de la plaine. C'est une révolution. Bonsoir Chantal. Bonsoir Christophe. Je suis ravie, vraiment ravie de vous rencontrer. Mais c'est pour moi, il y a toute mon enfance là d'un coup. Voilà. Donc c'est quand vous avez fait pour la toute première fois une émission des Carpentiers du coup. Eh bien, il fallait un jour Mariti m'a appelé, m'a dit qu'est-ce que tu fais Chantal. Alors j'ai dit moi je fais rien, le cinéma c'est trop compliqué. Je suis en train de faire un potager, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit tu peux pas me demander à Jean-Jacques, c'est très urgent de t'écrire vite une chanson parce que Brigitte Bardot est malade, elle ne peut pas venir, c'était la partenaire de Carlos, il lui avait écrit déjà professeur Carlos, Jean-Jacques, il manquait 6 minutes, et Jean-Jacques me dit, ta maman est née en Martinique, il s'est mis au piano, il m'a fait adieu mes petits élèves de la Martinique, oui, et je suis partie au bout de chemin avec tous les gosses du village et mes enfants, on a pris le train, le métro, on est arrivé au studio 17, et on a chanté avec un foulard à la main, tout simplement, et là, il y a eu plus de 500 000 lettres qui sont arrivées. Mariti m'a dit, Chantal, il faut te consacrer totalement aux enfants, tu es comme eux, tu leur ressembles, et c'est cette chanson en 1975, qui a existé pour la première fois. On la chante là un coup. Adieu mes petits élèves de la Martinique. Je fais la classe aujourd'hui pour la dernière fois. On me renvoie vers la France, adieu la Martinique. Mais tout là-bas, je ne vous oublierai pas. Adieu les jolis foulards, adieu tous les matrasses. Au revoir, on se retrouvera. J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays. Vous resterez dans nos cœurs, mademoiselle aussi. Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a dans la vie toujours un jour. C'est dingue cette chanson. Il y a l'histoire du charboté aussi, le charboté, parce que ça c'était, il y avait, c'est tout le spectacle aussi. Il y avait la planète merveilleuse, on a fait un grand château qui avait les yeux du charboté, qui bougeait dans tous les sens, parce qu'on a fait des gros spectacles quand même. Et du coup vous me feriez un petit coup du charboté là ah comme oui, ça. Ah oui, le charboté, tu sais que j'ai fait en flamand. Ah non mais en français moi pour le coup, oui, si oui, vous oui, voulez bien. Oui, chante-la, chante-la. Alors, on y va. Difficile à croire de cet homme qui n'avait rien, cachat de misère, qui a su y faire pour lui changer son destin. En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il changea. D'un coup de baguette, son malheur maître, en marquis de Carabas. Monsieur le chat botté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée, votre beau manteau. Je suis le chat, le chapeauté, je ne veux pas vous griffer. Si vous défendez les enfants, les pauvres et les braves gens. Monsieur le chat botté, pour faire trois petits pas. Ah, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Alors, évidemment, quand tout le monde te connaît, je me suis dit, en général, les artistes comme moi, les jeunes veulent chanter mes chansons. Mm-hmm. Bon, mais moi, j'ai dit non, pas question, c'est moi qui vais chanter leur tube. Ah. On va faire le contraire. Et vous avez choisi quoi? Et j'ai choisi Double Jeu. N'oublie pas que je suis Gémeaux. Ben là... Et là, je te dis pas ce qui va se passer. Ah là, attends, j'y vais, j'écoute. Quand je serai grand, je serai Gucci's. Ou bien pilote Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes vont bien. Le rouge, le noir, le blues. Les soirs,
écoute-moi bien, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Alors c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? De toute façon, quand je serai grand, je serai Bee Gees. Non mais alors là... Là, c'était carrément inattendu. Je ne m'attendais pas. J'ai pris ta tonalité en plus. Hein. Ah, mais carrément. Hein, je n'ai pas fait en dessous ni au-dessus. J'ai pris ta tonalité. Non, c'était... Elle n'est pas simple à chanter, cette chanson. Oui, mais comme m'a dit Jean-Jacques, chante-la parce que tu aimes les chansons rythmées et tu te débrouilles très bien. Mais ça vous va hyper bien. Et il y a une chanson, réellement une chanson que j'adore, c'est « Voulez-vous danser grand-mère ?» Ah, bah alors celle-là, on l'a chantée la dernière chez Jacques Loussier, là-bas. Jean-Jacques m'a dit, j'ai envie que tu chantes, voulez-vous danser grand-mère? J'ai dit, mais c'est un vieux machin, ça. Il me dit, bah justement, comme c'est un vieux machin, eh bah, tu vas gagner 5 ans et on va mettre le rythme de Sonny and Cher dedans. Tu vois un peu comment il avait vu juste. Non, mais c'est dingue. Et on avait mis la chanson, le rythme de Sonny and Cher sur Voulez-vous danser grand-mère, et voilà, ça fait un tube énorme. Je la chante toujours. Hein. Alors, du coup, on y va? On y va. On y va, puis vous allez chanter chez vous avec moi. Oui, oui.